Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler des parfums Knox. Donc, Knox m'a proposé un partenariat il y a quelques temps. Je vous ai demandé sur Instagram si ça pouvait vous intéresser ou pas, et vous m'avez dit oui. Donc, j'ai accepté le partenariat. Voilà, c'est pas des choses que je recherche en règle générale. Là, il y avait un petit peu de la curiosité, parce qu'on en entend quand même pas mal parler, surtout sur la chaîne de Val Beauty & Co. Je sais qu'elle est en partenariat avec eux depuis très longtemps et qu'elle les aime beaucoup. Donc, je me suis dit que vu que ça pouvait vous intéresser, on allait donc en parler. Je fais une vidéo dédiée, vu que c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne et que c'est le premier partenariat officiel et que c'est une découverte totale pour moi. Donc, je me suis dit, on va faire une vidéo vraiment dédié à ce produit, enfin leur produit. Donc je vais essayer de vous mettre le chapitrage en barre d'infos pour que vous puissiez passer par étapes et vous verrez qu'à la fin, il y a une petite surprise pour vous puisque Knox m'a proposé de faire un concours pour que vous puissiez gagner le parfum de votre choix. Les Parfums Knox, c'est une entreprise espagnole créée en 2013, donc c'est pas récent. Voilà, ils ont déjà quelques petites années dans le coco, c'est très bien. C'est une entreprise présente en Espagne, en France, en Pologne et en Allemagne. Et le groupe Knox est une entreprise qui fabrique ses propres arômes et qui les distribue dans toute l'Europe. Ils défient toute concurrence grâce à leurs produits de qualité et des prix accessibles. C'est vrai que les prix sont très attractifs. Et ce sont des produits réalisés et testés en Espagne. Ils sont conformes à ils sont certifiés CE, donc conformes pour l'Europe, et ils sont également, ils ont le certificat IFRA, ce qui veut dire que c'est sans danger pour le consommateur. Knox, ce sont des dupes, des parfums dupes. Ils recréent en fait des parfums de grandes marques avec leurs propres molécules. Et voilà, donc il ne faut pas confondre dupe et contrefaçon. Dupe, c'est inspiré, copié, mais en gardant son propre esprit, comme Révolution par exemple. Était très réputé à l'époque pour les dupes des grandes marques, comme W7 par exemple. Là, une contrefaçon, c'est vraiment une copie conforme. Peut-être pas l'odeur d'ailleurs, on va rester dans les parfums, mais peut-être pas l'odeur, mais ça reprend la marque, le packaging, et ça note même la marque, le nom et tout sur le flacon, ce qui est totalement interdit, bien évidemment, c'est illégal. C'est interdit d'en vendre, d'en acheter, d'en... Enfin voilà, c'est vraiment c'est illégal. Il s'agit du site, vous avez à peu près 500 références de parfums de grandes marques. Je vous mets en barre d'infos le lien vers le fichier PDF pour voir toutes leurs références, mais vous pouvez la trouver sur le site comme je dois vous montrer à peu près maintenant. Vous avez donc 500 références disponibles, enfin plus ou moins, et ce qui comprend des parfums de femmes, des parfums d'hommes et aussi des parfums mixtes. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez qu'acheter un parfum en couple. Voilà, vous aurez la même odeur. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai remarqué aussi qu'il y avait une partie un peu plus maison avec des diffuseurs et tout ça, mais j'ai pas encore regardé trop dessus. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ce genre de choses. Les formats des parfums sont... Vous avez des échantillons de 2 ml, donc ça c'est très bien, ils les vendent au prix de 3 euros, mais comme ça si vous voulez tester plusieurs senteurs, c'est très bien. Les formats en 30 ml en version vaporisateur, ça dépend de certains, c'est entre 13,80 € et 16,80 €. Les 50 ml, ça dépend, c'est entre 16,90 € et 19,90 €, les 100 ml sont entre 26,90 € et 29,90 €. Les frais de port sont offerts en Colissimo à partir de 50 € pour la France métropolitaine et 50 € aussi par Mondial Relais pour le reste, pour les autres pays. Donc ils livrent en France métropolitaine, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas et à Monaco. Vous pouvez rechercher grâce au classement de senteurs orientales, boisées et tout ça. Je trouve que le seul bémol qu'il y a sur le site, si je peux me permettre, hein, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas une section de recherche par notes qu'on apprécie. Par exemple, on pourrait choisir 3 notes et ça nous sortirait tous les parfums qui comportent ces notes-là. Et après, ça explique les autres notes qui sont dispo. Par exemple, moi, je sais que d'office,
dans les parfums que j'aime vraiment beaucoup, il y a obligatoirement au moins un des trois, boîte santal, patchouli et ambre. Voilà, moi c'est vraiment les trois odeurs. Dans chaque parfum que j'aime, il y a une de ces notes-là au minimum. Donc je trouve que ça serait bien qu'on puisse cocher, par exemple, mes trois notes que je préfère et que tous les parfums sortent en disant, voilà, vous avez les trois notes-là dans ce parfum-là, avec ça, dans celui-là, avec ça. Je trouve que ça aurait été sympa, ça pourrait faciliter la recherche. Donc du coup, on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu puisque j'ai attendu de faire cette vidéo. Donc moi, ils m'ont laissé choisir deux parfums de mon choix, voilà, que vous recevez dans un carton très bien emballé. Alors je m'excuse auprès des Parfumnox, je m'étais plantée, entre guillemets, il y a un chiffre de ma maison qui n'était pas passé, donc ça a été livré à une autre adresse. Heureusement, le monsieur qui habitait à l'autre adresse me l'a ramené. Et voilà, donc c'est très bien emballé, très bien présenté. Vous avez donc les parfums emballés avec un joli petit ruban rouge, comme ça je trouve ça très mignon. Vous avez également un sac en tissu, un peu genre sac de piscine et tout ça. Voilà, à l'effigie du parfum de la marque. Je trouve ça très bien, c'est sympa. Et vous avez un petit magnète souple et un petit autocollant, toujours à l'effigie de la marque, et plein de chrololeux en frigolite dans le carton. Donc, je vais découvrir les parfums avec vous, puisque moi, je ne connais pas du tout. La boîte se présente comme ceci. Voilà, très soft, très classe. Vous avez la référence ici à l'arrière. Et on va regarder tout de suite le flacon. Voilà, très soft. Il me faut passer... le packaging me fait penser un peu au parfum de chez Nux, le prodigieux. Je trouve ça très bien fait. Et vous avez la petite référence ici sur le côté. Vous pouvez également noter dessus le dupe, comme ça vous savez quel parfum vous prenez. Donc moi j'ai pris le pour commencer le 458, donc c'est celui que j'ai. J'ai pris quand même un que je connais le vrai, on va dire. C'est le dupe de l'Olympia de Paco Rabanne, donc qui est mon parfum préféré de tous les temps. Donc pour l'Olympia, les notes de tête sont la mandarine verte, le jasmin d'eau, la fleur de gingembre, notes de cœur, vanille et sel, et les notes de fond, ambre gris, bois de cachemire et bois de santal. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc on va sentir, voir s'il sent comme le vrai. Donc très très belle présentation. Oh. On va le laisser s'aérer deux petites minutes. Ah oui. Ah oui. Oh la vache. Pardon. Je vais essayer de ne pas être trop vulgaire sur cette vidéo. Oh, j'en reviens pas. Il sent l'Olympia. Vraiment. Oh, les petites odeurs d'ambre là qui ressort à la fin. Oh, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, en deuxième, j'ai pris un que pour découvrir. La tenue et tout ça, je vous en reparlerai dans des prochains vlogs et tout ça, puisque là, je viens de découvrir, donc je n'ai pas encore pu tester. Mais il y en a un, c'est le nom qui m'a fait choisir, en fait. J'ai pris le 480, donc c'est le même flacon, la même boîte, le même flacon. Je suis en train de destroyer la boîte, c'est une honte, c'est un scandale. Voilà, exactement le même flacon. Vous avez le numéro sur le côté qui change, les ingrédients aussi. Donc c'est le dupe du Sexy Amber de Michael Kors. Déjà c'est Michael Kors, voilà, j'ai aucun parfum de chez lui, hein, forcément. Mais moi j'ai vu Amber, il m'avait acheté. Et les notes c'est ambre, fleur blanche et boîte santal. Donc là c'est bizarre parce qu'il y a juste une fois les notes, il n'y a pas les notes de tête, notes de cœur et notes de fond. Mais voilà. Donc, on va sentir celui-là aussi. Je vais le mettre de l'autre côté pour essayer de le sentir un peu mieux. J'aime pas trop sentir plusieurs parfums en même temps, mais ça donne mal la tête. On va le laisser s'aérer deux petites secondes. Wow. Oh, il sent bon. Oh.
Oh, j'aime beaucoup. Pour le printemps, là. Oh oui, pour le printemps, il va. Printemps-été, là. D'enfer. Oh, ils sont trop bons. Eh ben, pour un premier jet, j'adore. Franchement, je suis bien contente que j'ai fait un bon choix. Donc le 458 qui est le dupe du Paco Rabanne Olympia. Ça faisait très longtemps que j'avais plus d'Olympia parce que j'essaie de finir les parfums que j'ai. Oui, voilà, j'essaie de les finir, mais je viens de recevoir deux. Donc ça faisait très longtemps. J'ai acheté qu'une fois en fait. Enfin, on me l'avait offert. Et j'ai pas pu le racheter parce que déjà il n'est pas donné. Et puis je vous dis, j'essaie de finir mon stock. Et celui-ci, belle découverte là, franchement. Oh, puis il s'allège un peu là au fil des minutes. On sent un peu plus l'alcool au début, celui-ci, que l'autre, mais oh, une fois qu'il s'allège, on sent un peu moins la fleur blanche, mais on sent bien l'ambre et le bois de Santal là. Oh, j'adore. Gros coup de cœur sur les odeurs du moins. Maintenant, je vous dis la tenue et tout ça, je vous en reparlerai certainement dans le vlog bah, que vous aurez demain, mais qui est dimanche pour moi. Voilà, je vais les tester. Là, je vais en mettre un, comme ça, quand Chéri rentre du travail, je lui demanderai s'il le sent bien encore, puisque c'est normal que vous habituiez à l'odeur, vous n'allez plus la sentir au bout d'un certain temps. Mais voilà, je ne sais pas encore lequel je vais tester, mais je vais tester ça. Et pour finir, Nox m'a également donné un code promo, donc qui est valable tout le temps sur toutes les commandes. C'est le code MISSY, tout simplement. Et vous avez droit à 10% sur votre commande, sur le total de votre commande. Et moi, je gagne les 10% aussi. Voilà. Donc, de toute façon, tous les détails sont notés en barre d'infos. Je vous mets le lien du site, mon code promo et le lien pour aller rechercher les dupes des parfums, en fait, le tableau qui vous explique quel parfum, quel numéro correspond à quel parfum. Donc, il vous suffit après de taper le numéro de la recherche et ça va super vite, quoi. Voilà, une fois que vous avez le numéro, c'est très bien. Et donc, on va passer au concours. Donc, vous pouvez remporter un parfum de votre choix en format 30 ml. Il faut juste être abonné à ma chaîne, bien évidemment, liker cette vidéo, mettre en commentaire le hashtag ParfumNox et remplir le formulaire que je vous mets également en barre d'infos. Je contacterai moi-même avec mon adresse mail, donc faites attention à qui vous contacte. J'avertirai le gagnant ou la gagnante et le parfum sera directement envoyé par les ParfumNox. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre tous les deux, que ce soit les ParfumNox ou moi-même sur Instagram. Vous avez les deux liens en barre d'infos également. Voilà, ça leur ferait très plaisir que vous les suiviez aussi. Donc le concours ouvert est ouvert jusqu'au 9 mai à 23h59 pour les pays cités dans la livraison qui sont France métropolitaine, Belgique, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas et Monaco. Et voilà, c'est tout. De toute façon, tout est noté en barre d'infos hein, parce que je risque de m'être un petit peu mélangée. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes, vu que j'en ai parlé un tout petit peu dans mon vlog de la semaine dernière, il y en a déjà qui ont utilisé le code promo, donc je trouve ça vraiment génial. Après, il y en a qui connaissent mieux que moi déjà le site et la qualité des parfums. Vous avez été très 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 nombreux à me dire que c'était de la super qualité et qu'ils tenaient super bien. Eux, ils disent à peu près 24 heures sur la peau. Maintenant, ça dépend du pH de votre peau et compagnie. Moi, j'en mets toujours un petit peu dans mes cheveux, surtout au niveau des longueurs. Comme ça, quand vous faites la bise à quelqu'un, enfin maintenant, on ne peut plus trop faire la bise, mais quand vous dites bonjour à quelqu'un ou que vous bougez un peu vos cheveux, vous avez toujours un petit relent de l'odeur là, du parfum. Et du coup, j'en mets toujours un petit peu dans mes cheveux. Voilà pour la petite astuce de mamie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. De toute façon, si vous voulez participer au concours, il faut vous abonner aussi. Vous avez toutes les conditions, tous les liens dans la barre d'infos, ainsi que mon code promo qui sera valable tout le temps et qui sera donc dans toutes les barres d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore Nox de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. J'espère qu'ils seront contents de ma vidéo. Et de toute façon, on se retrouve demain pour le weekly vlog. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.